Bonjour mes amis, nous sommes le lundi 18 avril 2022. Je suis à Genève et je suis en route pour la cathédrale Saint-Pierre qui sera le vrai départ de ma Via Gebenensis à destination du Puy-en-Velay. Il fait bon, température très agréable et pour le moment ça se passe bien. Panorama genevois. Là, je ne sais pas où on est. Il y a des canons là-dessous. Mais ce que je vois, c'est que je trouve ma première coquille. Voilà. C'est par là. Et me voilà arrivé à la cathédrale. Je vais pas être tout seul sur le chemin là. Hein. En période d'hiver, la cathédrale n'ouvre qu'à 10h. Alors voilà, c'est bientôt 10h. Il y a déjà plusieurs personnes qui attendent devant, certainement aussi comme moi, pour faire timbrer leur crédentiale. On va attendre encore quelques minutes. Et puis enfin pouvoir continuer le chemin. Et ben voilà. Me voilà, attendu 40 minutes pour l'ouverture de la cathédrale, attendu pour faire timbrer ma crédentiale. Ah mais c'est que j'y tenais à ce tambour-là. Hein. Voilà, et ça fait partie un peu de l'apprentissage du lâcher-prise. Bonne leçon. Toujours à Genève, voilà l'église Saint-François. Voilà le passage de la rivière Larve qui va se jeter dans le Rhône. Un peu plus loin à la jonction. Et là, maintenant, donc, je passe dans le quartier ou la localité de Carouge. Marrant, la maison. Sympa. Un architecte qui devait avoir fumé un petit quelque chose là. Et puis voilà, non mais j'y crois pas, un chemin avec de la terre. La terre et des chiens, ouais. Et voilà encore un endroit sympa, un endroit charmant. Juste aux portes de Genève. Très beau panorama sur le Salève. Il y a même un parapente qui descend. Oui. Et voilà, on va dans cette direction-là. On continue vers la frontière française. Et là, de l'autre côté, la chaîne du Jura. On est un petit peu dans la campagne, même si le chemin est en dur. Et on voit que Genève n'est pas bien loin, hein. Arrivée à Saconnet-d'Arve. Très beau d'ailleurs. J'arrive maintenant à l'église de Compassière. De Compassière. Ah non, j'y crois pas. Il y a vraiment une boîte à tampons à Charo. Non mais attends, on va voir. Ah, incroyable. Oh, c'est trop bon. Sympa.
Ben vous voyez là, c'est vraiment un moment très attendu pour moi. Je passe la frontière et je suis en France. Ça y est, ouf, voilà, au revoir la Suisse. Et bonjour la France. Mon premier village en France. C'est le moment de traverser l'autoroute blanche, bien bruyante. Bon. Et voilà l'église de Nédans. Petite pause là, un moment bien au frais, ça fait du bien. Mais pas trouvé de tampon. Mais si on regarde derrière nous, là-bas, on voit tout au fond encore, on voit la ville de Genève. On n'est pas si loin que ça, hein. L'église de Nédans, je sais pas comment on dit. Ah, mais un endroit au frais. Je vais juste rester un petit moment là pour faire une petite pause. Très jolie petite église, Notre-Dame de la Paix. Eh ben, elle mérite bien son nom, une bonne petite pause bien fraîche après la... Après la montée que je viens de me faire ici, waouh! Ça fait un bon moment que ça monte, il fait bon chaud, alors c'était une étape bienvenue cette chapelle. Un beau panorama depuis là. Je vais bientôt arriver à Beaumont. Pas mal de montées ces derniers moments. Et là-bas, on voit bien Genève. Et on distingue bien le jet d'eau. J'arrive maintenant au village de Beaumont. C'est un petit peu le but que je m'étais proposé aujourd'hui. Je ne sais pas si le gîte sera ouvert ou si je continue encore 2-3 km jusqu'à la forêt pour chercher un endroit pour ma tente. On va voir, mais si le gîte est ouvert, je vais m'offrir ça comme petit luxe parce qu'alors, après toute cette montée, ce sera bienvenu. Voilà, chers amis, la fin de cette journée. Je n'ai malheureusement pas pu trouver le moindre gîte, le moindre couchage à Beaumont. Eh bien, voilà, j'ai monté ma tente. Voilà, j'ai continué 2 km à peu près à pied après Beaumont et j'ai monté ma tente. Il faut encore que je finisse d'installer mon matelas, mes affaires, enfin voilà. Et puis c'est parti pour une nuit sous tente. Voilà, je me réjouis de vous retrouver demain et puis je suis impatient de faire cette nouvelle journée de trotte avec vous. Allez passer une bonne fin de soirée, je vous embrasse. Voilà, ambiance du soir.